Comment? Ici et maintenant. Ici et maintenant. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur internet ici-et-maintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'humeur du temps, tous les lundis dès 23h et Soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbasi, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. Pour connaître l'actualité de David Abbasi en 4 langues, rendez-vous sur opinion.pm. Doman, c'est en même temps que c'est la fête du travail, c'est la fête de Mouguet. Plusieurs milliers de personnes, ils vont vendre le Mouguet Doman. N'oubliez pas de l'acheter et de le, le revendre si vous voulez, mais de faire cadeau aux gens que vous aimez. Vous savez, c'est une tradition française qui existe même avant la fête du travail. C'est depuis le 16e siècle. Depuis le 16e siècle, le roi de la France a décidé que le peuple pouvait le vendre un jour par an, le mois de mai, le muguet, et sans autorisation de préfecture ou de l'État, ou sans avoir registre de commerce ou de métier, numéro sirène, SARL ou SA ou entreprise personnelle. Non. Vous êtes citoyen et vous avez le droit, vous êtes en France et vous avez le droit de vendre le Mouguet Doman sur certaines conditions. C'est pour ça beaucoup de gens Doman, ils vont vendre le Mouguet et il y a les autres qui vont l'acheter. Peut-être vous ne savez pas, mais vous savez combien l'argent va être changé Doman 1er mai 2018, grâce à la vente de cette jolie fleur, voilà, 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, c'est la vente de Mouguet le 1er mai, mes chers amis. C'est important, hein? C'est un chiffre d'affaires assez important, 100 millions d'euros. Et parmi, il y a certains partis politiques qui ont profité, c'est-à-dire le Parti communiste, Doman, il va gagner 600 000 € grâce à la vente de Mouguet. 600 000 €. Moins d'un million d'euros, mais ça va, hein? Pour le communiste, ça va. Pour ça, permettez-moi de vous féliciter pour Doman. Et pour le Mouguet que vous allez acheter, le vendre peut-être, ou l'offrir à quelqu'un. Et voilà, c'est la fête du travail. Et c'est dommage, mes chers amis. Alors, à ce sujet, vous avez d'autres informations assez intéressantes, sauf ce que je viens de vous dire. Si vous en avez, c'est avec plaisir quand vous pouvez le partager avec nous, en composant le 08 92 23 95 20. que les musiques, hein, c'est formidable. La musique, c'est le manger pour l'esprit. C'est le manger pour l'esprit, c'est mon père qui disait depuis qu'on était petit. Pour ce poème, poésie et la musique, et lire les bouquins, c'était trois choses que mon père il insistait beaucoup de pratiquer. Voilà. Écouter, lire, voyez, et surtout les poèmes. Mes chers amis, malheureusement, j'ai eu honte quand quelqu'un m'appelait David tout à l'heure. C'est la première fois dans ma vie. C'est pourquoi, parce que depuis on a 2 jours, on est en train d'entendre David X. Il a fait ce que vous avez entendu contre la jeune fille Angélique, âgée de 13 ans. C'est vrai que je n'avais jamais pensé à ça, et le nom, le prénom, ou si ça peut être important, ça peut être sensible. Ange, Angélique, assassinée par un fou, par un malade, par un assassin criminel, qui s'appelait David. C'est 45 ans, et il y a déjà 23 ans. On l'avait arrêté pour le même délit, mais à l'époque, il n'avait pas tué la personne. Il avait 22 ans. Il a purgé 9 ans de condamnation en prison, 9 ans. Et après des années, ce week-end-là, on retrouve un autre crime. Comme vous savez, il y a toujours beaucoup de disparitions, comme l'autre fille qui était disparue depuis... Je ne sais pas, ce matin, nous, quand on est en train d'entendre à droite à gauche, une jeune fille de 12-13 ans aussi a été disparue. Et ça, c'est question de jour. Chaque jour, il y a des enfants, des jeunes filles, disparues partout dans le monde, même en France. Alors, ces gens-là, ces criminels qui tombent dans la main de justice, peut-être... Après on disait une cinquantaine, 5, 6, 10, je ne sais pas combien de crimes commis. Cette fois-ci, heureusement, la justice et les gendarmes, les services de police et de renseignement, intelligemment, puisqu'il était dans la liste, tout de suite, on l'avait arrêté, cette personne. Ah, peut-être comme l'autre personne, l'Hollandais. Peut-être on va après savoir que pendant 23 ans qu'il était... Non, 23 ans, 9 ans, il a fait la prison. Après, sorti de son prison, peut-être il a commis cet acte criminel contre plusieurs d'autres enfants. Mais qu'on ne savait pas, c'était dans un autre quartier, dans une autre ville. Cette fois-ci, puisque c'était quelqu'un qui le connaissait, il avait un garçon témoin, etc. Tout de suite, on a su compris c'est qui. Mais cette personne-ci était allée à droite à gauche en voyage, commis un crime par semaine, un crime par an, un crime par mois. C'est énorme. Pour ça, moi-même, David Abbasi, mes chers amis qui vous me connaissez, je suis humain comme vous, sensible comme vous, artiste comme vous, écrivain, poète comme vous, j'aime la musique, je suis très sensible, je pleure de temps en temps pour certaines choses que je vois, je pleure, mais pourtant, c'est mon avis personnel, Je pense que les criminels qui sont malades, que c'est impossible de se soigner, qui menace la société et ne mérite pas la vie que le Dieu nous a donnée. Cette vie doit être honorée. Cette vie doit être respectée. Notre vie et la vie des autres. Alors l'individu qui ne pense pas à après-demain pour lui-même. En même temps, il ne pense pas à la vie de d'autres individus, d'autres personnes, aux filles de 13 ans, 13 ans. Il ne pense pas à la famille de cette fille. Angélique, elle est partie. Mais elle est née tout de suite, le moment qu'elle est partie, selon David Abbasi et certains d'autres personnes dans le monde depuis éternel à ce jour-là, dès qu'elle est décédée, elle est morte, son esprit a quitté le corps, elle est née ailleurs, elle est sortie de la vente d'une femme à droite à gauche. Mais ses parents, sa mère, son père, et tout ça, et le douleur qu'ils vont avoir pendant des années. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis? Vous avez la parole. Vous pouvez vous exprimer, donner votre avis. Je sais que cet après-midi, vous en avez parlé, mais sur d'autres sujets aussi, si vous voulez, vous pouvez parler. Là, en Afghanistan, 2 attentats mortiers. Allez, oui, bonsoir, c'est qui? Bernard, ne quittez pas. En Afghanistan aussi, on va parler de l'Afghanistan, bien sûr, mais après, quand on va prendre Bernard, on va écouter Bernard, et après, il y a d'autres sujets à parler. Bonsoir Bernard, on vous écoute. Oui, bonsoir Monsieur Abbasi, bonsoir. Je téléphone au sujet de cet acte qui s'est passé, de cet acte horrible qui s'est passé. C'est difficile de rester insensible devant de telles choses. Donc, j'ai téléphoné cet après-midi, alors qu'en fait... Il y avait une émission dont le but et dont le sujet était de savoir comment on pourrait empêcher ces gens-là de perpétrer leur forfait, leur crime. Et l'émission a été déviée par toute une pléthore de gens qui en ont fait un débat pour ou contre la peine de mort. Alors je me suis senti un petit peu obligé d'intervenir, mais... le temps était court, j'ai pas pu vraiment m'exprimer. Moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est que cette affaire-là, c'est pas le sujet, c'est pas la peine de mort, en fait. Ceux qui détournent qui intellectualisent le débat en faisant un sujet de société pour ou contre la peine de mort, ce sont des gens qui restent dans l'intellectualisme et qui ne ressentent pas à la réalité de la chose, en fait. Hein. L'intérêt de réfléchir à cette chose-là, c'est de savoir comment faire pour que ces choses-là, non, peut-être pas ne se reproduisent plus, parce que on peut jamais dire que ça se reproduise, mais diminuer fortement le nombre de ces agressions, quoi. Et alors, la vraie question pour moi, ça serait plutôt de penser comment faire pour que ça ne se reproduise plus. Et d'abord, il faudrait avoir un regard là-dessus, ne pas juger ces gens comme des fous, à mon avis, ni comme des malades, mais plutôt les voir comme des animaux sauvages, comme des fauves, dont la pulsion est la même pulsion qu'un fauve devant sa proie, c'est-à-dire... par exemple, vous prenez un tigre, il voit une gazelle, voilà, s'il a faim, il va la dévorer. Et ces gens-là, il faut les voir comme des fauves. Partant de là, si vous ne prenez pas comme des malades, des fous, etc., mais si vous les regardez avec ce regard-là, c'est-à-dire en tant que fauve, il est impossible, il est contre le bon sens de les laisser en liberté. C'est-à-dire que dès le moment où vous avez quelqu'un que vous avez diagnostiqué, cette personne-là est un fauve, si vous la mettez en prison 15 ans et que vous la faites sortir au bout de 10 ans, eh bien, au bout de 10 ans, ça sera toujours un fauve. C'est-à-dire qu'un tigre, vous le mettez en cage, 10 ans après, c'est quand même un tigre, ce sera toujours un tigre. Donc, le bon sens veut que quand on connaît quelqu'un, qu'on sait qu'il a cette tendance-là, c'est-à-dire s'il y a déjà eu un précédent avec des enfants ou de viol, le bon sens veut qu'on ne les laisse plus sortir de prison, c'est-à-dire qu'ils rentrent sans possibilité de se retrouver libre un jour, ou peut-être à 75 ans, âge auquel, on l'espère, ils n'auront plus la force de se livrer à leurs pulsions. C'est le bon sens. Parce que, en fait, avoir un fauve qui rôde en liberté dans un quartier, plus aucun enfant n'est en sécurité. Et la priorité, c'est la sécurité des enfants et pas, justement, les gens qui vont attaquer ça en disant les droits de l'homme, on atteint à la liberté d'un homme en le mettant en prison pour le reste de sa vie. Et moi, je pense donc que si on interprète ce comportement comme le comportement d'un fauve, il faut les incarcérer sans possibilité de sortir, mais par contre, en leur donnant le choix, ou ils choisissent de rester en prison jusqu'à la fin de leur vie, ou ils choisissent qu'on mette fin à leur jour, selon un procédé le plus doux possible, c'est-à-dire peut-être avec présence de la famille, etc. Mais ils peuvent choisir soit d'être incarcérés jusqu'à la fin de leur vie, soit qu'on mette fin à leur jour, de manière à ce qu'il n'y ait plus aucun danger de la société. Et ça, ils peuvent avoir le choix à tout moment de leur incarcération. C'est, admettons que quelqu'un soit incarcéré à 30 ans et qu'il est condamné à vivre en prison jusqu'à la fin de sa vie. Il a le choix à 30 ans de demander à mourir. Il a le choix, si tu es en prison depuis 10 ans, à 40 ans de demander à mourir. Tout au long de son incarcération, il devrait avoir le choix de demander à mourir. Et qu'on mette fin à ces jours s'ils le désirent. Moi, je pense que si on fait ça, il y aura beaucoup de récidives comme ça qui seraient évitées. Voilà. C'est une des solutions que je pense qui serait, qui me semble assez logique. Voilà. Et puis, j'ai une pensée pour cette jeune fille qui s'appelle Angélique. Un nom, une fleur qu'on a coupée là, juste la veille du 1er mai, quoi, enfin la semaine avant. C'est terrible. Voilà ce que je voulais dire. Merci Bernard de votre témoignage. Merci beaucoup. Et merci, au revoir. Merci. Alors pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas de temps en temps, je veux vous dire, David Abbasi, dès qu'il arrive, dès qu'il ouvre l'antenne, il dit toujours que vous avez la parole. Première chose que j'ai dit juste à 23h quand je prends l'antenne, c'est que vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer. Même si je suis en train de parler, vous téléphonez, je vous prends tout de suite. Même si je suis en train de diffuser quelque chose, je vous prends tout de suite. Ça, c'est mon règle. Une règle que David il a et il respecte toujours. Vous d'abord. L'auditeur d'abord. Dès le 23h, je dis que vous avez la parole. Alors, il faut bien écouter dès le départ de l'émission et surtout, il faut noter pour ne pas oublier ça, mes chers amis. D'autres choses que je veux vous dire, question de la peine de mort pour les assassins comme ce David d'aujourd'hui. Je viens de poser la question à quelqu'un, j'ai dit, que penses-tu à ce sujet? Au départ, il m'a dit, je n'en pense rien, il a dit. Et après, j'ai dit, quand même, entre nous. Et il a donné une réponse très intéressante, très jolie. Si je connaissais cette personne, je sais que quand il dit « je n'en pense rien », il va passer à côté de cette question qui est assez importante. Après que j'ai dit ça, s'il te plaît, entre nous, dis ça. Et entre nous, il a dit « c'est un piège intellectuel qui ne se résume pas en oui ou en non. » Vous voyez, ça, c'est la réponse d'un philosophe. Puisque cette personne, c'est plus qu'un philosophe, ce qu'il a répondu ça. Alors, incarnation, ce que je viens de vous dire, incarnation, c'est ça, c'est-à-dire l'éternité. Le paradis, l'enfer existe seulement ici et c'est l'esprit qui va retourner. C'est la philosophie de l'incarnation. C'est le Bouddha. c'est le Bouddha, c'est Zarathustra, ces grands philosophes intellectuels du monde. Quand ils parlent de réincarnation, l'idée de réincarnation, parce qu'on est réincarné par l'esprit, voilà, c'est ça. Et quand c'est par l'esprit, c'est comment? Il faut une naissance, il faut un moment. Il faut un maman, il faut un bébé, voilà. Réincarnation, c'est ça. C'est réincarnation. C'est pour répondre aussi à Maître Sagesse, qui m'a envoyé le message pour Maître Sagesse. Mes chers amis, vous avez la parole. En composant le 08 92 23 95 20, n'oubliez pas, vous avez la parole. Et l'autre info tellement triste, deux attentats en Afghanistan. Un à Kandahar, on dit Kandahar, sucre et harissa, voilà harissa. Et l'autre c'est à Kaboul. 11 enfants étaient assassinés à Kandahar, avec plusieurs d'autres personnes, mais 11 enfants. Et à Kaboul, plusieurs journalistes disparus. Parmi un photographe d'agence France Presse d'origine afghane. Il s'appelait Shah Marai, c'est-à-dire le roi qui ne meurt jamais. Shah. Les amis français, on l'appelait Shah, ça veut dire le roi. Voilà, le roi aussi était assassiné. Le roi, c'était un garçon qui a commencé d'être chauffeur pour les Français en Afghanistan. Et après, petit à petit, avec son caméra, il prenait des photos, Shahi, et il est devenu un grand reporter, un grand photographe. Bonsoir, c'est qui? Jocelyn. Ne quittez pas. Alors, Shahi n'est plus là, il est mort, et le monde de journalisme est triste. Jocelyn, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Excellent, on vous écoute. Cool. Je voulais réagir par rapport à c'est le sujet que tu as lancé, peut-être la peine de mort, la question de savoir s'il faut effectivement exécuter les gens ici-bas pour leurs actes. Et ben en fait, je me posais la question si c'est vraiment notre rôle à nous, en tant que d'humains, d'exécuter directement nous-mêmes les gens. Et est-ce que finalement, ils seront pas jugés une fois arrivés et quelque part autre? Donc, si leur esprit quitte leur corps et qu'ils arrivent quelque part et que leur âme ou leur esprit va être pesé et éventuellement on va proposer une sentence, mais plus haut. Est-ce que c'est vraiment à nous, en fait, sur Terre, d'exécuter les gens? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être essayer, mais après c'est vraiment un travail difficile, de faire tout pour réintégrer ces gens? Et là, ça pourrait peut-être vraiment prouver une certaine forme de puissance de notre société. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, c'est Badinter qui a aboli la peine de mort en France, l'avocat de François Mitterrand, qu'il est toujours vivant, monsieur Badinter. C'est un grand monsieur que j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais je vais vous confier quelque chose. C'est vrai que peut-être ce que je vais vous dire, demain si vous demandez à monsieur Badinter, ou il va dire que j'ai oublié, ou il va dire que j'ai jamais dit, il va le nier peut-être, mais je veux vous dire ça ce soir, ici et maintenant, puisqu'après mon émission, vous allez écouter M. Badinter et son discours de l'année 1981. Vous allez écouter. M. Badinter, attends, je suis en train de te répondre. Oui, je t'écoute. Voilà. Il y a déjà longtemps, il y avait ce débat qui est actuellement aujourd'hui. Même l'après-midi, Morgane, il a évoqué sur son antenne ça, et vous avez participé. Et le média, n'importe quel média que vous l'ouvrez, on est en train de parler de cette affaire. Il y a déjà quelques années aussi, il avait cette affaire-là, et j'avais le plaisir de manger avec M. Badinter, comme de temps en temps, je mange avec quelques amis. Alors, côte à côte, face à face, moi et lui, et personne d'autre n'entend pas, puisque chacun est là en train de manger. J'ai dit, M. Badinter, quand même. Les gens comme ça, les gens qui font ça, récidivistes. Même on va essayer de soigner certains de ces individus-là. Les psychiatres, pour la plupart des fois, ils disent qu'on ne peut pas, on n'arrive pas, l'individu... Aux États-Unis, la civilisation moderne, il est aux États-Unis, il faut le dire. Aux États-Unis, les gens comme ça, vous savez, leur nom est publié dans les journaux. Que si ton voisin, c'est un criminel comme ça, que tu as le droit de le savoir, on ne le cache pas. C'est la loi aux États-Unis. D'accord, tu veux dire que c'est dissuasif, quoi. Tu veux bien dire que c'est dissuasif, et M. Badinter, déjà en amont. Bien sûr. Hein? Voilà. Et M. Badinter, à l'époque, quand il a dit, j'ai posé cette question, la réponse qu'il a donnée, n'était pas la même chose qu'il a fait voter en 1981. Hein, D'accord. Tu comprends? Mais je ne veux pas rentrer dedans, je ne veux pas parler à ce sujet sur M. Badinter, qu'il est toujours vivant, il est là, c'est une personnalité que je respecte. Écoutez, pour la plupart des fois, on fait des choses, mais la vie, quand quelqu'un prend la vie de mon enfant, et la vie de plusieurs enfants, on dit une fois il s'est trompé, une fois il était malade, mais deuxième fois, quatrième fois, l'individu qui touche 50 personnes. 50 personnes. Voilà. Moi, je ne suis pas seulement historien, vous le savez peut-être. Je suis philosophe aussi. J'ai étudié la philosophie pendant 12 ans. Et j'ai vu des grands professeurs que je ne veux pas citer les noms. Partout dans le monde, quand il y a certaines choses qu'on ne peut pas le contrôler, parce que de temps en temps, c'est des maladies. Ouais, alors, un virus, il faut le virus de sida, tu ne peux pas le garder et le donner aux autres personnes. Moi, ce soir et hier, j'étais sûr, j'ai pensé avant tout à papa et à maman d'Angélique. Personne n'en parle pas, personne n'écoute pas ces gens-là. Il faut écouter et regarder que pensent les parents. C'était leurs enfants. C'était leurs enfants, voilà. Donc toi, ce que tu en penses, c'est qu'il faudrait peut-être réfléchir à faire en fonction des cas, et évidemment, quand c'est un cas qui est très grave, en venir, pourquoi pas la peine de mort, et pour effectivement faire réfléchir les gens aussi, et peut-être dissuader certaines personnes, et peut-être changer un peu les consciences, je sais pas. C'est comme ça que tu le vois, toi? Exact, tu as bien dit. Moi, c'est mon idée. Hein? Chacun peut être libre d'avoir ses idées. Moi, c'est mon idée. Moi, j'ai vécu partout dans le monde. J'ai vu beaucoup de guerres. J'ai perdu beaucoup d'amis qui étaient exécutés à cause des dictateurs, des fascistes, des choses comme ça. Mais cette fois-ci, ce que vous voyez, c'est des crimes contre les enfants. Un enfant, peut-être, il peut devenir une fille. Jeanne d'Arc, demain. Jeanne d'Arc, toujours ça peut exister. Tu comprends ce que je dis? Une fille peut peut-être devenir Anna Mercouri, une fille ou un garçon, je ne sais pas quoi. Quand on prend la vie de ces gens-là sauvagement, comme ça, moi je pense qu'il faut revoir certaines choses. Il faut revoir, il faut discuter, il faut des spécialistes, parce que j'ai écouté beaucoup des spécialistes, ils disent que ces gens-là, une partie de ces gens-là, on ne peut pas les guérir, comme le sida. Mais alors, selon toi, imaginons ces personnes-là qui font ces crimes horribles, est-ce que c'est plus pour toi quelque chose ancré en eux génétiquement, ou c'est pour beaucoup leur environnement social qui a fait qu'ils ont finalement développé, de par une prédisposition, une tendance à, comme ça... être en manque d'empathie, etc., et pouvoir tuer ou peut-être avec des remords sur le moment, mais en tout cas passer à l'acte, quoi. Les deux, moi je pense c'est les deux. Il y a génétiquement, puisque moi-même j'étais témoin, toi-même aussi, si tu vois autour de toi, si tu regardes bien autour de toi, tu peux constater qu'il y a beaucoup de filles, beaucoup de garçons, depuis qu'ils sont petits, ils ont l'envie de sexe, plus que l'autre, c'est-à-dire tout le monde ne sont pas pareils. Tu vois, tous les mondes ne sont pas pareils. L'envie du sexe, c'est variable, même depuis l'enfance des gens, des personnes. C'est pour ça c'est génétique aussi. Après, éducative aussi. C'est-à-dire, moi je pense toujours qu'on peut éduquer. Voilà. Oui, voilà, c'est ça la clé un peu aussi du truc, c'est qu'il y a des gens qui sont délaissés et que qui finalement, enfin, je sais qu'il y a des gens qui, ouais, qui aussi, bon, ils peuvent avoir une enfance assez terrible aussi. Et bon, je dis pas qu'il faut excuser le geste parce que c'est inexcusable effectivement, mais il y a probablement la plupart du temps des conséquences, des circonstances psychologiques atténuantes. Et c'est vrai que je sais pas s'il y a des gens qu'on peut pas guérir du tout. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça dépend aussi de, de la façon dont on prend l'esprit. Ouais. Parce que, comment dire, peut-être qu'on arrive à un moment donné où effectivement il y a tellement de comment dire, d'incompréhension des gens un peu dans le monde que finalement même nous on arrive à, avec une multitude de peut-être de maladies psychologiques notables, mais on peut rien faire dessus puisqu'on n'a plus les clés et on est dépassé par une certaine frénésie en fait du monde aussi. Bien sûr, tu as tout à fait raison, mais on peut même soigner certaines personnes. Écoute, nous avons Frédéric avec nous aussi, on va le prendre. Frédéric. Bonsoir Frédéric. Fred. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Vous avez... Je téléphone pour participer à ce débat contre la peine de mort. Et je suis de votre avis, moi je suis pas vraiment pour la peine de mort, vous voyez, parce que je pense que... Ouais, avec toute la colère qu'on peut avoir, j'ai pas encore cette envie de tuer quelqu'un. Mais je pense par exemple, là je vais peut-être choquer beaucoup de monde, mais vous voyez, on utilise beaucoup d'animaux inoffensifs, innocents pour faire des tests scientifiques pour la recherche du sida, du cancer. Et bien ces gens qui enlèvent la vie d'autrui comme ça gratuitement, et encore d'autant plus à des enfants, mais il n'y a pas de pitié, je veux dire, on devrait les prendre et faire des tests sur eux pour faire des recherches sur le sida et le cancer. Et ça serait leur façon de réparer envers la société le mal qu'ils ont fait. Je veux dire, c'est des gens qui enlèvent des enfants quand même, qui enlèvent la vie, qui bougillent des familles. Et ça, ça les préoccupe pas. Je veux dire, on peut pas défendre ces monstres. On ne peut plus. On est en 2018. Ça ne s'arrête pas. Tous les 2 ou 3 mois, on a des meurtres. Je pense à Maëlys. Je pense à des gens, à cette petite qui a encore été retrouvée assassinée. Et il y en a peut-être encore plein d'autres. Et ces gens savent ce qu'ils font, ils savent que c'est mal. Quand ils sont interrogés par la police, quand ils sont interrogés par des juges, ils ont toute leur conscience, ils répondent. C'est pas des cinglés, c'est pas des débiles mentales. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils avaient une vie, ils travaillaient. Ils avaient, je pense à Dupont de Ligonnès, ce mec qui a décimé sa famille, qui a disparu. Et tous ces gens-là, on devrait leur laisser jouir de la liberté de vivre, alors qu'ils ont retiré la vie d'un enfant innocent. Et on devrait encore les plaindre, leur trouver des excuses, des circonstances atténuantes parce qu'ils ont vécu dans la misère, parce que leur famille c'était ci, parce que leur famille c'était ça. Je suis pas d'accord, je peux pas accepter. J'ai autour de moi des enfants. Je me mets à la place des parents. Si demain on venait me tuer un neveu ou une nièce auquel je suis très attaché, mais comment on peut accepter le pardon? Comment on peut leur donner à ces gens-là le droit de vivre? Et en plus, je vais travailler tous les jours. Tous les jours, je vais travailler en me disant que dans mes impôts, je cotise pour ces gens-là, en plus, pour qu'ils vivent, pour que ça nourrit et logé, pour que ces gens soient en prison, aient le droit de repasser leur diplôme, ont le droit de lire les livres qu'ils vont adorer, ont le droit d'aller faire de la psychothérapie gratuitement, parce qu'il y a des gens qui vont très mal dans notre société, qui n'ont même pas les moyens de voir un psy. Et ces gens, parce qu'ils ont assassiné des enfants, on va leur laisser avoir toute cette jouissance avec télé dans les cellules, tout ça, parce qu'il ne faut surtout pas empiéter sur les droits de l'homme. Mais ces gens, ils ne respectent pas les droits de l'homme à partir du moment où ils tuent des enfants. Je sais pas. Oui, tu sais, Frédéric, aujourd'hui même, encore, je vais répéter ça. Je pouvais répéter ça. Si on interroge M. Badinter, mais doit-il être remis en cause, cette loi que vous l'avez votée, pour des crimes contre les enfants? Je vous assure, s'il va être honnête, comme il était honnête avec moi, il est déjà 10 ans, il a dit oui. Pour cette cause-là, on doit réfléchir de nouveau, vous voyez? Moi, je pense que ces gens... Non, mais sincèrement, on est vraiment dans une société où les gens meurent du cancer, où les gens meurent du sida, on n'a toujours pas de soins, on peine à trouver des traitements, on n'ose pas les utiliser sur les humains, parce qu'on ne sait pas les conséquences que ça pourrait avoir, et bien qu'on les utilise sur eux. Voilà, et puis c'est tout. Et puis au moins, ils répareront leur connerie. Alors, il faut assumer, au bout d'un moment, c'est les règles du jeu. Hein. Je vais vous dire que pour moins de ça, il y a des gens qui sont condamnés à des peines beaucoup plus lourdes pour moins que ça. connais des gens qui toute leur vie vont traîner des boulets pour avoir fait une petite connerie. Ils vont pas retrouver de travail, ils vont avoir des problèmes et tout pour se réinsérer. Mais ces gens-là, enfin, vous vous rendez compte, multirécidiviste, ça veut dire que le mec, il en a violé des gamins ou des femmes avant d'en arriver à ça. C'est presque à se poser la question si ces gens-là sont pas protégés par notre justice, quoi. Pour moins que ça, des gens sont condamnés plus lourdement, quoi. Faut arrêter de parler de Dieu et de ces choses-là. Je veux dire, ça c'est là, on parle de la justice des hommes, là on parle pas de Dieu et du pardon. C'est pas possible. Nous, c'est pas nos compétences. Je veux dire, il faut protéger les enfants. Il faut penser à ça avant de protéger à ce qui se passe au-dessus, après quand c'est terminé. Il faut déjà penser à ce qui se passe là en tant que vivant, et il faut que les enfants y vivent. Il faut pas que les enfants tombent dans les griffes de ces gens. Et il y en a plein, hein, des gens comme ça qui sont en liberté. Hein. Il y en a plein, hein, et qui ne sont pas condamnés, des pédophiles, parce qu'il n'y a pas assez de preuves. Je sais de quoi je parle, hein, je travaille dans le social, à la protection de l'enfance, donc je sais très bien de quoi je parle. Hein. Je peux vous dire que des parents pédophiles s'en sortent vraiment très très bien, hein, la plupart du temps, puisqu'il n'y a pas de preuves, parce que ça fait longtemps, on n'est pas trop sûr, vous savez, oui, mais... voilà, il n'y avait pas de traces sur l'enfant, ça c'est les dires de l'enfant, il a peut-être mal interprété... Il y en a trop. Tu vas dire le gars avec Frédéric, mon ami? Justin? Pardon? Ah, parce qu'il y a un autre auditeur là présent qui peut-être il va parler avec toi, oui? Allô, oui. Allô? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses concernant les propos de Frédéric? Bah, c'est intéressant, ouais. Je suis d'accord avec pas mal de choses qu'il a dites. Effectivement, on pourrait réutiliser, en fait, on va dire, un rachat d'une personne pour lui faire des travaux utiles pour la société ou faire des expériences sur lui. Bon, ça, c'est peut-être un petit peu moralement, il faut peut-être un petit peu en parler aussi. C'est peut-être un peu encore une autre question. Mais je suis d'accord qu'il y a une justice à double vitesse. Il y a des gens qui sont grillés dans la société et qui vont finalement... être restreint au niveau du travail, etc., et de l'insertion dans la société pour des délits, on va dire, mineurs. Et à côté de ça, il y a des filles qui vont porter plainte pour viol et on ne les entend pas. Et parce que... Après, les gens... C'est vrai qu'il y a des fois, à la police, ils vont dire que c'est des problèmes de budget, c'est-à-dire qu'ils vont dire qu'ils sont trop occupés. Et moi, ça m'est arrivé qu'une copine me raconte qu'effectivement, elle va chez les flics pour porter plainte et... Bon, le gars lui dit, bah ouais, c'est un peu léger comme preuve. Et puis après, il y a le problème que les filles, elles ont peur d'aller porter plainte directe, donc elles attendent. Et après, finalement, au fur et à mesure, les preuves, elles sont plus là, entre guillemets, les preuves biologiques. Voilà, c'est vrai qu'on constate qu'il y a une certaine frénésie de la société qui fait qu'on n'arrive plus à maîtriser certains comportements des individus. Mais après, je pense qu'il y a aussi, d'une part, un laisser-aller des politiciens à je veux dire, accepter une certaine, descente, en fait, entre guillemets, du niveau des mœurs. C'est-à-dire l'acceptation de voir le sexe un peu représenté partout, même, on va dire, inciter, laisser voilà, les publicités s'occuper un peu de nous proposer des sites pour rencontres extra-conjugales et autres. Et tout ce qui a trait un peu à une certaine, on va dire, oisiveté, voire... Enfin bref, je pense que par rapport à un savoir ancien qu'on avait autrefois, j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, là, dans cette post-révolution industrielle, et moins, en fait, on est raccordé à une certaine... certain bon sens et certain, comment dire... vitalité et je dirais on va dire un rapport avec la conscience qu'on n'a plus et qu'on fait que les gens sont plus maîtrisables, ils ont moins de conscience morale peut-être. C'est peut-être ça qui fait que je pense qu'on est dépassé par les événements, quoi. Clairement là il y a des fautifs de partout et c'est vrai que bon, de toute façon on peut en revenir à la peine de mort, peut-être qu'il faudrait je dirais accepter une certaine valeur limite qui fait qu'après, on en viendrait effectivement à des décisions radicales. Voilà, pourquoi pas. Je vais vous laisser, David, sinon. Oui. Et, merci pour le débat, c'était intéressant. Je laisse la parole à Frédéric. Voilà. Merci. Frédéric? Oui, mais j'ai envie de rebondir sur ce que disait la personne. Vous savez, ce qui vient de dénoncer, ça a toujours existé. Moi, je suis de la génération des années 80. J'ai grandi avec des publicités de femmes à poil, j'ai vu des publicités de femmes à poil, j'ai même vu les Coco Girls tous les dimanches. Et voilà, ça nous a pas rendu pédophiles, ça nous a pas rendu hystériques. Des trucs de rencontre, à l'époque il y avait les téléphones roses, il y avait le Minitel, tout ça, ça a toujours existé, sauf que c'est vrai que ça diffusait moins, ça allait moins rapidement puisqu'il n'y avait pas Internet. Toutes ces choses-là ont toujours existé, et ça peut pas expliquer et excuser le comportement de ces cinglés. Excusez-moi, hein, mais moi je peux pas. Pour moi, c'est pas des êtres humains, c'est des animaux. Ça peut pas expliquer, et ça a toujours existé. On est d'accord. C'est pourquoi je suis contre un peu la peine de mort, parce que la peine de mort c'est tellement simple. Le mec, on lui enlève la vie, il souffre pas, on lui fait une petite picouf. Faut bien faire attention qu'il est pas mal, même quand on le pique dans la veine. Bon, ces gens-là, ça a toujours existé. Maintenant, il faut une réponse. Je sais, de toute façon, la peine de mort n'arrêtera jamais ces gens. Quand il y a eu la peine de mort en France à l'époque de la guillotine, ils existaient, ils étaient déjà là. Ça, c'est pour moi, c'est biologique. Les gens naissent, ils ont un truc en moins dans le cerveau qui fonctionne pas. C'est des animaux, quoi. C'est de la sauvagerie. Non, il faut s'en servir utilement. Ça nous ferait gagner énormément d'argent. Ça sauverait peut-être des vies. Voilà, ce serait le paradoxe de ce qu'ils ont donné. Ils donneraient la mort pour redonner la vie, puisque grâce à eux, on trouverait des traitements. Je redis, sur les maladies génétiques, le cancer, le sida, on manque énormément de regard, d'observation sur sur ce qu'on donne en traitement. Et moi, je pense que voilà, ce serait une façon de réparer un peu envers la société ce qu'ils ont fait. Ça ramènerait pas la personne assassinée, malheureusement. Mais en tout cas, ça ferait une sorte de réparation. Et ça servirait à la société entière. Au moins, on aurait des résultats et on aurait peut-être une façon d'avancer plus... Et j'en ai déjà débattu avec des gens qui pensent que c'est de la barbarie, que c'est des idées style nazi. Ben, j'assume. Parce qu'à un moment donné, on peut pas laisser comme ça des gens assassiner des enfants. Et puis les multirécidivistes, attendez, le mec il était dans la rue, c'était un danger public. Enfin, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Tout le monde le savait, personne n'a arrêté. C'est comme les terroristes, ils font péter une bombe. Mais on savait. Ils étaient fichés S, on savait. Donc si on sait, il faut agir. Oui, tu as tout à fait raison. Cyrus, qu'est-ce que tu en penses à ce que Frédéric il vient de nous dire? Cyrus? Allô? Cyrus? Ben, à propos, cet horrible accident, enfin, cette chose qui a passé, je voulais dire, au fond de ma pensée, c'est que j'ai un doute quelque part que dans toutes les sociétés, je ne parle pas uniquement de la France, mais un peu partout peut-être, que peut-être il y a certains crimes qui ne sont pas assez pénalisés, et au fond peut-être parce que l'État, sans savoir peut-être, je veux dire, je ne fais pas exprès, il laisse en liberté ces gens-là pour justifier son existence, son nécessité d'être le gouvernement, l'État, l'autorité, si vous voulez. Parce que les gens, pourquoi les enfants, ils sont sous la protection de l'État, normalement, jusqu'à l'âge de 16 ans, l'éducation. Donc pourquoi on ne ramasse pas avec une bus dès qu'ils vont à l'école, et dès qu'ils rentrent. Il y a d'autres solutions aussi. On peut officialiser les tueurs à gages, déjà. Bon, déjà, pour une personne qui a fait une fois une bêtise, on peut parler ou ok, ça coûte d'argent de l'État, mais bon, mais une fois on peut faire ça, mais pour la deuxième fois il faut une chose radicale, si vous voulez. Et de l'autre côté, on dit, bon, telle personne a tué telle personne, mais on sait rien du tout sur la vie de l'assassin. Qu'est-ce qu'il a eu dans son enfance, comment il a vécu, qu'est-ce qu'il a raconté aux juges, aux policiers, ou qu'est-ce qu'il a eu comme maladie psychiatrique. C'est pour ça que j'ai quelque part des doutes. Mais à part ça, je voudrais dire quelque chose, mais enfin, c'est pas pour vous, parce que vous le savez déjà. Mais je voulais dire que votre fille, je crois, elle s'appelle Morgane, c'est ça? Oui, Cyrus, Morgane. Ah, oui. Alors, je voulais dire que Morgane, en persan, c'est Marjan, qui veut dire mon univers, mon cœur, ou si vous voulez, les choses semblables, si vous voulez. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Oui. Bon, c'est tout ce que je voulais dire, mais voilà, c'est tout. Merci, Cyrus. Merci à vous. Et bonsoir, Cyrus. Bonsoir. C'était Cyrus, 95.2 FM, radio, ici et maintenant, et vous avez la parole, mes chers amis. N'oubliez pas que vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé, en tapant ici-et-maintenant.com, et n'oubliez pas que Radio Ici Maintenant également diffuse 24 sur 24 si vous écoutez à partir de l'internet. Également Radio DAP, canal 9 de votre poste de radio digital, mes chers amis. De radio digital, vous en avez ou non? Achetez-en un. Le son, c'est formidable. Un son formidable. On entend bien, mieux qu'à stéréo. C'est digital. Et nous sommes sur canal 9, radio DAP+, mes chers amis. DAP+, Digital Audio Broadcast. Mes chers amis, cette histoire ne va jamais terminer. Mais n'oubliez pas, vous pouvez être présent dans la législation de votre pays. C'est-à-dire, si vous pensez que quelque chose doit changer, en même temps que vous vous exprimez sur cette antenne ou ailleurs, que vous n'avez pas la possibilité que vous avez ici, vous pouvez aller voir les députés, les sénateurs. Vous savez que chacun, ils ont des permanents, vous pouvez aller les voir. Créer des associations. En association, vous pouvez les créer avec 3 personnes. Et après, ramasser des adhérents. Surtout pour nous parler de vous, peut-être, vous êtes en retraite ou vous ne travaillez pas. Alors, ça serait bien de parler bénévolement, créer des associations et suivez une cause. N'importe quelle cause que vous voyez qui a été réussie dans le monde, ça commençait déjà par une seule personne. Une seule personne. Et après, ça a avancé. Pour ça, essayez d'imposer vos idées. À droite, à gauche, partout. Imposer. Et ça, c'est tellement facile. Déjà, vous pouvez essayer en tapant, en composant plutôt sur votre combiné de téléphone 08 92 23 et 95 20. Vous avez la parole. Vous pouvez venir sur notre antenne et vous exprimer 08 92 23 95 20. Alors, monsieur Philippe, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute. Je voulais intervenir un petit peu sur... Oui, je vous écoute. Bon, c'est quand même un sujet qui est assez difficile, qui a toujours été traité quasiment depuis la nuit des temps. Donc malheureusement, il y a des gens qui ont, on va dire, qui ont des pulsions, des addictions, des... quelque part des maladies, hein. Et évidemment quand ça touche les enfants, c'est forcément beaucoup plus grave que quand ça touche, je sais pas moi, la drogue ou l'alcool ou quoi que ce soit. Après, il y a une personne qui est intervenue, qui se dit être dans le social et qui tient des propos assez terribles. Voilà, je peux simplement dire que c'est grâce aux impôts des gens qui travaillent que cette personne vit, quoi. C'est parce que la société, on va dire, a été de plus en plus progressiste et que, effectivement, dans le temps au Moyen-Âge ou après, hein, il n'y avait pas vraiment de justice, donc à partir du moment où quelqu'un faisait une chose mauvaise aux yeux du peuple, il était soit battu, soit pendu, soit brûlé, hein. Et donc c'est le fait qu'il y ait certaines idées progressistes qui a fait qu'on a installé la justice pour tous, qu'on a installer la santé pour tous, les services sociaux, etc., dont profite cette personne. Hein, puisqu'on va dire, il ne travaille pas dans le secteur privé, il travaille dans un secteur subventionné par l'État, quoi. Bon. Donc ça me paraît assez, on va dire, contradictoire à la fois de travailler dans le genre de secteur et de dire, bah voilà, moi, je veux la peine de mort pour ces gens-là, quoi. Donc, oui, c'est quand même un sujet extrêmement difficile, et c'est plus quelque chose qui tient à la morale de chacun, de savoir ce qu'on fait de ce genre de personnes. Tout à l'heure, il y a aussi, je crois que c'est la même personne qui a fait la comparaison entre Dupont de Ligonnès et puis le meurtre des petits enfants là. Je pense que ça n'a absolument rien à voir. Il y a des gens qui sont dans des meurtres passionnels ou dans des délires schizophréniques, je ne sais quoi. Là, quand même, la solution, c'est quand même pas de tuer tous les malades mentaux, sinon, encore une fois, simplement pour les gens qui vivent de ces malades mentaux là, hein, les infirmiers psychiatriques, les gens dans le social, etc., bah, tous ces gens là seront au chômage, donc il faut peut-être mieux qu'ils réfléchissent avant, hein. Voilà. Après, est-ce que ce qu'on appelle le naming, c'est-à-dire, comme aux États-Unis, mettre un nom sur quelqu'un qui a commis une mauvaise chose, c'est bien. Je suis pas convaincu, parce que dans ces cas-là, vous pouvez fouler la présomption d'innocence. Donc quelqu'un qui, on va dire, qu'on accuse à tort d'avoir fait une chose, eh ben, dans ces cas-là, il va être grillé à vie. Bon, c'est quand même un sujet extrêmement délicat. Ouais, j'ai pas vraiment la solution, mais bon, je crains quand même que dans beaucoup de familles, en France, du moins, mais je pense que dans d'autres pays, ça doit être la même chose, mais il y a quand même des choses pas très clair qui existe, du style inceste, du style on loue ses enfants, voilà, et puis il y a aussi des violences verbales, hein. Et les violences verbales, ça peut être des violences verbales des parents, c'est essayer pour moi, de réglementer tout ça par des lois, ça me paraît vraiment très difficile, hein. Voilà, donc, et puis quand un juge instruit une affaire, il peut se tromper. C'était le cas également je crois que c'était dans l'affaire Outreau, à tel point que le juge s'est suicidé. Donc c'est toujours facile de faire, voilà, d'intervenir sur l'antenne et puis de dire, bah voilà, moi je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Alors qu'en fait, chaque histoire est différente et il faut vraiment beaucoup de métiers, il faut beaucoup d'intuition, de sens humain, de plein de choses comme ça pour pour voir ce qui se passe. Après, est-ce que quelqu'un qui a fait une, j'en sais rien, moi, qui a violé, qui a tué, etc. Est-ce que tous ces gens-là, on doit soit les tuer, soit les condamner à la perpétuité? À la perpétuité, à mon avis, c'est pas possible vu l'état de nos prisons. À la limite, je pense qu'on les renforcera plutôt dans le vice. Après, les tuer, ouais, bon, ben, je sais pas qui resterait hein, dans ces cas-là. Encore une fois. Quant à tout ce qui est castration chimique, bon, je crois que c'est un système qui avait été installé aux États-Unis, ça n'a pas résolu le problème non plus. Hein. Et bon, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de serial killers qu'en France, parce qu'apparemment, je ne sais pas pourquoi, c'est des choses qui leur plaisent. Mais il y a des gens tout à fait normaux, tout à fait lambda, hein, qui font de bons serial killers, qui font de bons violeurs, des choses comme ça. Bon, ça c'est vraiment dans la nature humaine. Hein. Sinon, oui, je considère également qu'on vit quand même dans une période où on a un appel au sexe permanent, qui est assez bizarre, bien, parce qu'en fait, on restreint d'un côté, par exemple, tout ce qui est prostitution, là, et puis d'un autre côté, on fait plein de pubs dans le métro, il y a beaucoup de pubs pour les gays, il y a beaucoup de pubs pour les rencontres hors mariage, des choses comme ça. Et donc, faut aussi savoir ce que veut la société, quoi. Est-ce qu'elle veut promouvoir le sexe, le libertinage total? Et puis, effectivement, dans ces cas-là, il y aura toujours des gens qui, peut-être, on va dire... peut-être dans un autre milieu, dans un autre univers aurait été, on va dire, stable ou tranquille, et puis bah, qui là vont se réveiller. Donc faut vraiment savoir ce qu'on veut, mais là je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie, parce que il y a beaucoup de marketing, beaucoup de choses qui sont basées sur le sexe. Et puis d'un autre côté, bah, évidemment, quand on voit ce genre de choses, évidemment c'est terrible, mais il y a également, est-ce que le fait de faire des concours de minimis de 13 ans ou 14 ans, ou maintenant c'est moins que ça, hein, 12 ans, 11 ans, d'abaisser de manière inconsidérable la majorité sexuelle, est-ce que ça va aussi dans le bon sens, quoi? Est-ce que ça, c'est pas non plus un appel, quelque part, au crime, hein, et au délit? Donc je pense qu'il faudrait aussi essayer de trouver une juste mesure entre une société, on va dire, ouverte, et en même temps une société dans laquelle tout n'est pas possible et tout n'est pas permis. Mais je pense pas que le naming, c'est-à-dire montrer la personne qui a commis des crimes, ça c'est une très, très bonne chose, parce que dans la délation, ça peut aller vraiment très très loin. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un, par exemple, vous accusez à tort une personne qui aurait, mettons, violé un enfant, et on s'aperçoit, j'en sais rien, un an, 2 ans, 3 ans après, que c'est pas vrai, bah, cette personne, elle est salie pour la vie, quoi. Il y a beaucoup de faux témoignages comme ça. Il y a beaucoup de faux témoignages comme ça dans l'histoire. Beaucoup, partout dans le monde, c'est vrai, tu as tout à fait raison, Flip. Beaucoup de faux témoignages, surtout les enfants de temps en temps, à cause de certaines idées. Oui, ça, vous avez tout à fait raison, pour ça, il ne faut pas jouer avec ça. Mais tu sais, Philippe, il y a Frédéric là qui va te répondre. Frédéric. Plus souvent, ça arrive dans les procédures de divorce, où l'enfant est très malléable, et la plupart du temps, il est soumis à la femme. Ouais. Et donc la femme, pour se venger de son mari, va dire à son enfant de dire des mauvaises choses, voilà, sur le... Et moi je connais des cas pratiques, hein, et des gens qui ont été convoqués à la brigade des mœurs pour prétendument avoir eu avoir fait des attaques sur leur enfant, etc. Donc franchement, je trouve qu'il faut vraiment faire très très attention à ça, quoi. Oui, après, tu sais, ça n'empêche pas que, voilà, il y a des histoires, je me souviens, je crois qu'il y a 20 ans, il y a quelqu'un qui devait s'appeler Émile Louis, qui a abusé de une dizaine, quinzaine, vingtaine d'enfants handicapés, alors qu'il était chauffeur de bus. Bon, bah, ça s'est vu. connu, on va dire, 15 ans ou 20 ans après. Franchement, je vois pas très bien ce qui peut... voilà, ce qui peut changer tout ça. Et je voulais également rappeler, puisque... voilà, même si c'est pas vraiment, il n'y a pas de lien total de cause à effet, mais quand même l'idéologie 68 heures 2, elle a quand même encouragé, on va dire, la liberté de l'enfant, éventuellement la liberté sexuelle. Et moi, de voir sur quelqu'un comme Daniel Cohn-Bendit, par exemple, sur lequel on sait très bien qu'il y a eu des émissions sur lui quand il était... il était à un jardin d'enfants à Francfort en Allemagne et il disait que finalement il s'accommodait très bien des désirs des enfants pour lui, voilà, de manière totalement ouverte, et que ces gens-là sont même pas condamnés. Et le gars, il est toujours député, je sais pas ce qu'il fait, il est toujours, il gagne très très bien sa vie. Et voilà, qu'une certaine, on va dire, gauche libertaire, ou 68arde, glorifie tous ces propos d'atteinte à l'enfant. Moi, ça me scandalise également, voilà. Alors, je ne veux pas dire que c'est quand même actuellement la majorité des gens, mais voilà, qu'on ait un bon moment glorifier ce genre de, voilà, de posture, de sexualisation de l'enfant. Bah moi, ça m'horrifie totalement, voilà. Bon, même il y avait d'autres personnes qui a fait des livres sur les pédophilies et tout ça, comme quoi il avait fait en dehors de la France, tout ça, il est devenu même ministre. Tout à fait. Ouais. Alors là-dessus, justement, je voulais pas terminer là-dessus, mais bon, a priori, je crois que c'est Luc Ferry qui avait indiqué qu'il connaissait un ministre pédophile qui faisait dévirer les pédophiles au Maroc. Bon, je vais pas dire de nom parce que... et comme il n'y a pas vraiment de preuves tangibles, voilà, après on pourrait être accusé de faux témoignages, choses comme ça. Mais de ce que je comprends, en fait, dans les hautes sphères du pouvoir, il y a des gens qui s'amusent, qui ont un amusement, effectivement, à jouer avec des petits-enfants, souvent des petits-enfants du tiers-monde, comme par exemple Frédéric Mitterrand, il l'a dit, hein, qu'il avait été en Thaïlande pour s'amuser avec des jeunes garçons. Et tout ça, ça passe comme une lettre à la poste. Donc en fait, d'où le fait quand même que je m'étonne également, voilà, de l'attitude de primaire un peu des gens, comme l'interlocuteur qui est passé. C'est-à-dire qu'en fait, quand on pique quelqu'un qui a, on va dire, violé, assassiné une petite fille, etc., alors là, on a une curée incroyable, mais par contre, au niveau des pouvoirs, du pouvoir des gens qui ont vraiment énormément de pouvoir et d'argent, tout Paris sait ce qu'ils font, mais bon, pour la populace, pour le peuple, non, ça c'est pas bien, quoi. Ils sont pas à savoir. C'est un peu les histoires de... Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais eu la vie de Gilles de Rais, donc qui a été brûlé d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui justement un noble qui violait des enfants, fallait leur faire des tas de sévices, etc., etc. Et bon, voilà. Donc je sais pas trop quoi dire, mais moi en tout cas je suis pas d'avis de hurler avec la meute, alors qu'en fait il y a des tas de dérives qui se font, voilà. Franchement, beaucoup de gens savent. Moi, j'aimerais bien savoir s'il y a, par exemple, quelqu'un marocain qui pourrait nous parler justement, ou un Thaïlandais qui pourrait nous parler de ce qui se passe au niveau des dérives sexuelles de certains touristes occidentaux. Voilà, des enfants qui sont loués parce que la famille n'a pas d'argent, des choses comme ça, quoi. Ça, je serais vraiment très, voilà, très curieux de savoir à ce niveau-là, voilà. Mais encore une fois, voilà, il y a toujours une vérité qui est présentée au peuple, et puis il y a une vérité qui est un peu plus cachée, quoi, on va dire. Bon. Mais en conclusion, quand même, je pense que il y a quand même des liens entre le fait que la société est de plus en plus libertaire, comme dirait Macron, hein, libertaire, licencieux, ça on permet tout à tout le monde. Je crois même qu'il y avait un avocat qui devait s'appeler... Enfin bon, un peu plus trop, enfin, qui sur Internet, qui est très connu, qui disait que l'enfant, c'est la dernière frontière. Enfin, on a tout exploré. Voilà, l'homosexualité, les animaux, les partous, les machins, etc. Et pour lui, l'enfant, c'était la dernière frontière. Et il le disait, je crois que c'était dans un débat de Tadi sur France 3. Et il le disait donc à la télé française, hein, sans problème. Voilà. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais entendu il y a, on va dire, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Et moi, je lis ça vers Plié à tout ce qui est idéologie 68arde, avec tous les pseudo-philosophes, Foucault et compagnie, qui ont fait dans la déconstruction de la société, quoi. Voilà. Bon. En tout cas, merci de l'émission. Et puis, je reste à l'écoute. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Ça, c'était Philippe. Vous savez, certaines personnalités françaises, ils sont fiers de dire qu'ils sont, par exemple, gays, homosexuels. Voilà. Comme Bertrand Delanoë, comme Jacques Lang et tout ça. Et certains aussi, ils le cachent, enfin. Alors, sur certaines choses, on ne va pas le dire ici ce soir, ici et maintenant, mais l'histoire... Jacques Lang, vous savez, il est président d'Institut du monde arabe actuellement, ministre très très fort de... nouveauté. Quand il était avec Mitterrand, il était un rénovateur, on peut dire, voilà. Mais de toute façon, quelque chose que Philippe, il a dit, était très intéressant, VIP, pour certains qui ont l'argent, qui ont la force, qui ont le pouvoir, et pour certains qui n'ont pas tout ça, même pas la vérité n'est pas avec eux. C'est-à-dire, ça, c'était toujours depuis éternel, partout. Alors, je ne veux pas nier ça, c'est vrai. Malheureusement, il y a certaines choses qu'on ferme les yeux pour certaines. C'est partout dans le monde, et après c'est les faibles qui sont écrasés. C'est pour ça que, par exemple, on dit qu'il faut couper telle petite somme de l'allocation des... de logement des étudiants, je ne sais pas quoi, mais de l'autre côté, ça, ce sont certaines injustes sociales qui existent, et jamais, je ne sais pas, on ne peut pas les soigner. Par exemple, question des sans-abri, question de chômage, et beaucoup d'autres, question de réfugiés qui est actuellement... Tout ça, ça peut être réglé si on est très fort, si on est un Charles de Gaulle au pouvoir. Vous voyez, Churchill, si on est Winston Churchill, vous voyez. Moi, j'aime pas beaucoup les Britanniques, hein, mais les politiciens, hein, les politiques des Britanniques, je n'aime pas beaucoup, les politiques. Mais ils sont bien pour leur pays, c'est-à-dire les politiciens britanniques, depuis toujours, ils étaient bien pour leur pays, ils ont bien servi leur pays, voilà. Mais peut-être pour les autres, non. Par exemple, regardez, vous avez entendu ou non? Brexit. Brexit, après quelque temps, les Britanniques, ils ont compris que s'ils vont quitter l'Europe, ça va coûter tellement cher. Déjà, il y a des amendes qu'ils doivent payer. Ces amendes, c'est très important. Les Britanniques ne payent même jamais des amendes dans le monde. Donc, jamais vous n'avez entendu que les Britanniques aient les dommages qui ou quelqu'un. Alors, ils doivent payer plusieurs milliards de dollars comme des amendes s'ils vont quitter l'Europe. Deuxièmement, leur économie va perdre plusieurs milliards de dollars par an. Alors, ils ont essayé plusieurs façons depuis l'année dernière à ce jour pour arranger, quitter l'Europe sans payer des dommagements. Ils ont vu que ça ne marche pas. Alors maintenant, c'est le Parlement, c'est le champ des seniors qui a décidé de boycotter cette Brexit. Eux, qu'on va le revoir et tout ça, c'est pourquoi. C'est puisqu'ils ont vu que ça coûte tellement cher que ça sera mieux de rester que de le quitter. mais avec d'autres façons. Les Britanniques, c'est comme ça. C'est comme ça, les Britanniques. Regardez, ils ont tué notre Jeanne d'Arc avec les juges, avec un tribunal français. Un tribunal français, avec... ils ont exécuté les héros de ce pays par les Français, dans un tribunal français, voilà. Ils ont coupé la tête de plusieurs généraux de l'armée française à l'époque de Jeanne d'Arc. Vous savez combien de têtes ils ont coupées? Les têtes coupées. Pff, maintenant, ils sont toujours seniors. Le Britannique, c'est des seniors. Napoléon, Bonaparte, qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui? Tout était oublié. Bonaparte, maintenant, on n'en parle même pas lui. Moi, j'ouvre un club à Paris, au nom de Bonaparte, à Place Clichy, il y a déjà 5 ans. Un club, un restaurant très chic, très chic. Les Français eux-mêmes, ils viennent me voir et disent, monsieur, pourquoi vous avez nommé Bonaparte? Pourquoi vous avez nommé Bonaparte? Je dis, puisque nous sommes dans la rue Caulaincourt. Caulaincourt, c'était un des généraux de Bonaparte, etc., etc. Ici, l'endroit, tu sais, Bonaparte. Ah oui, d'accord, d'accord. On a pensé que vous étiez un milice de Bonaparte. Je dis, alors, même si j'aimais Bonaparte. Ah non, non, non. Mais... vous voyez? Ils ont fait ça, mais jamais on n'a pas dit combien de têtes français ont été coupées, combien de soldats, de généraux par les Britanniques. Jamais! Et c'est ça le politique. Ils savent faire des peintures partout, même dans l'histoire. Après, même moi-même, au lieu d'être fier à mon Jeanne d'Arc. Oh, vous savez, moi j'avais une fille dans notre club qui était assassinée à Londres. C'était un de mes militants, il travaillait beaucoup. C'était la fille de Shah d'Iran. Elle s'appelait Leila. Leila Pahlavi. C'était assassiné, vous avez entendu, parce que sa femme Farah Diba, elle a parlé à la télé plusieurs fois, en Grande-Bretagne. Son fils, le frère de Leila, il était assassiné aux États-Unis. Lui aussi, c'était un de mes amis, un fidèle de David Abbasi et mes idées. Il disait que moi, je ne suis plus musulman, allez Reza Pahlavi. Il disait lui-même. Alors, lui aussi, il était assassiné à Boston. Écoutez, jusqu'à aujourd'hui, même les proches qui devaient ouvrir le procès pour 2 assassinats, ils n'en parlent pas. Mais le monde entier, il sait. Le procureur des États-Unis lui-même, Clément, Larry Clément, lui-même, il a dit à moi, à Farah Diba, à tout le monde, il a dit, votre fils était assassiné avec 2 balles. Mais on a peur de l'ouvrir, ce débat-là. Et pourquoi? Puisque, alors, entre parenthèses, je vais vous donner une information assez importante, en attendant que quelqu'un appelle, que je lui donne la parole. Alors, vous avez toujours la parole, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20. Vous savez, les clergés iraniens, les clergés chiites, les ayatollahs, anti-ayatollahs, ça c'est un mouvement très récent qui a été fondé et créé par les Britanniques. Vous savez que les Britanniques, c'est des grands colonisateurs, surtout de l'autre côté, l'Inde, l'Iran, l'Irak, l'Égypte, Liban, Israël, aujourd'hui Palestine, c'était les endroits colonisés par les Britanniques. Et tout juste colonisé là-bas, mais seulement, on dit néo-colonisateur. Pourquoi? Puisqu'il met président de la République, guide spirituel, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, mais c'est des espions, non? C'est des gens qui travaillent en faveur de Grande-Bretagne. Quand il y a un problème en Iran, par exemple, Prince Charles, il va y aller, il va régler le problème, il revient. Le ministre des Affaires étrangères, il va aller, il va régler, il va revenir. Ce n'est pas de la blague que je vous dis, hein, c'est la vérité. Roland Dumas, vous le connaissez, Roland Dumas. Roland Dumas, l'ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, ami proche, avocat. Je sais très très bien qu'on a fait des procès contre lui. Beaucoup de gens, quand on parle de Roland Dumas, il dit des bêtises, que vous n'aimez pas Roland Dumas, et tout ça, qu'on vous n'aime pas Alain Delon. Par exemple, que moi j'aime bien Alain Delon, par exemple, mais le monde entier aime Alain Delon, mais vous n'aimez pas, ça je le sais, hein, tout ça je le sais. On ne va pas parler de ça. Mais un jour, Alain Delon, lui-même, il m'a dit, moi je sais bien que les Iraniens, même 50 fois plus que mes compatriotes français, c'est pour ça que je ne suis plus français, je suis là. Roland Dumas lui-même aussi, il laissait ça. Alors Napoléon, Jeanne d'Arc aussi, il savait ça. Aujourd'hui, Roland Dumas aussi, peut-être lui-même, il sait que vous peut-être, vous ne l'aimez pas. Mais je vous dis quelque chose. Une fois, j'étais en train d'animer un dîner-débat, j'étais intervenant, c'est-à-dire dîner-débat, pour écouter David Abbasi, et j'ai eu le plaisir d'avoir Roland Dumas parmi les invités il avait payé sa cotisation, sa part de participation, il était présent dans ce dîner-débat. Et quand j'ai parlé sur la politique internationale, Grande-Bretagne, l'Iran, tout ça, après la fin, il a commencé à parler. Il a parlé sur le Mossadegh en Iran, sur le Grande-Bretagne. Et une chose qu'il a dit, que depuis il est resté toujours, il a marqué ma tête, c'est ça. Il a dit, écoutez, de temps en temps, comme nous faisons la France, c'est-à-dire. Il a dit, je suis ministre des Affaires étrangères français, ministre François Mitterrand, j'ai fait des interventions en Proche-Orient, en Moyen-Orient, en Afrique, en Palestine, en Israël, à droite, à gauche. De temps en temps, mon homologue britannique, il m'appelle, il dit « Je viens te voir ou toi, tu viens me voir ?» Alors, on fait en sorte, on se voit. Après, il dit « Écoutez, M. Dumas, ça, ce n'est pas votre champ. Il ne faut pas entrer dans ce domaine-là. C'est notre domaine, c'est le domaine de Grande-Bretagne. Président Mitterrand, s'il ne sait pas, vous le dites. C'est notre domaine. Vous n'avez pas le droit d'y entrer. » C'est-à-dire, on partage ce qu'ils ont fait à Yalta, après la Deuxième Guerre mondiale, et tout ça, je ne sais pas quoi. Ça, il y a des règles que même la France, 5e puissance du monde, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas à l'époque de Sarkozy, ni à l'époque de Chirac, ni à l'époque de Hollande, ni à l'époque de Macron, à l'époque de Mitterrand. François Mitterrand, c'était le dieu vraiment. Il était très fort. C'est lui qui a fait des changements en Chili, c'est lui qui a fait des changements en Afrique du Sud, Nelson Mandela. Moi, j'étais au courant, je sais ça, je sais. Tchécoslovaquie, Lech Walesa, c'était lui. Pinochet, c'était lui, il a fait chuter. C'était Mitterrand. En plus, à sa disparition, il y avait 75 hommes d'État du monde entier. Roi, Premier ministre, ministre, 75. Avec 200 invités, ça faisait 300 personnes environ, on était à l'UNESCO pour commémorer la disparition de François Mitterrand. Madame Danielle Mitterrand aussi était là, c'était son association avec d'autres associations qui faisaient ça. Alors, il y avait certaines personnalités qui avaient le droit de parler 15 minutes, 20 minutes, 10 minutes, maximum 20 minutes, mais 20 minutes c'était calme. Yasser Arafat était là, Shimon Peres était là, et beaucoup d'autres dirigeants du monde étaient là. David Abbasi aussi, il a eu 10 minutes de parole à l'UNESCO, à l'époque. Quelques semaines après la disparition de François Mitterrand. Et là, quand j'ai dit que merci Mitterrand, ta présence était décisive pour Chili, pour Pologne, pour l'Afrique du Sud, et même pour Palestine. Vous savez, la paix, quand Yasser Arafat, il a serré la main de Shimon Peres, ça c'était grâce à François Mitterrand. C'était grâce à François Mitterrand. Je parlais 10 minutes. Le cassette existe. À l'UNESCO, vous pouvez le demander. C'était l'association de socialistes internationale présidée par Pierre Morva qui organisait ça avec Fondation de la Liberté de Mme Danielle Mitterrand. Moi, je parlais que 5, même moins de 10 minutes, 5, 7 minutes, mais la salle, les grandes personnalités du monde. Seulement, j'ai dit ce que j'ai envie de vous dire. Merci Mitterrand pour ça, 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 ça. Plusieurs minutes, peut-être 3 minutes, 4 minutes, il applaudissait. Puisque le monde entier, il savait qui était Mitterrand et ce qu'il avait fait, ce n'est pas peut-être pour la France, mais pour le monde entier, pour la paix mondiale. Alors, Mitterrand, avec cette force, son ministre des Affaires étrangères, quand il dit des choses que les Britanniques n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils font les Britanniques? Ils vont mettre à l'ordre la France. C'est ça, mes amis. C'est ça qui est malheureusement cette politique qui existe dans le monde et on l'oublie. Alors maintenant, c'est à vous de parler. sur cette politique, on ne va pas rentrer dans les guerres, mais seulement à des pays, à Jeanne d'Arc, Napoléon et tout ça. Mais quand les Britanniques, ils disent qu'on va sortir de l'Europe, et après quelques temps, ils disent non, non, on va rester, etc., etc. C'est le seul pays qui ne va pas changer la monnaie, et qui ne va pas autoriser l'entrée et sortir comme l'histoire de Schengen, par exemple, mais beaucoup d'autres choses, et qui tournent toujours à droite. Celui tourne à droite, à gauche, nous tournons à droite ou à gauche, voilà. Une exception, et toujours à leur faveur. Et c'est moi et vous qui on va payer. Les impôts, c'est qui paye? C'est nous qui en paye. On paye des impôts. C'est notre argent qu'ils vont piquer. Si vous voulez sortir, sortez. Si vous voulez rester, restez, respectez la totalité des engagements. Toujours les Britanniques étaient comme ça. Alors ces gens-là, ils ont créé les ayatollahs iraniens, et le pouvoir islamique en Iran, c'était créé par les Britanniques. Khomeini et tous les l'homme avec un turban sur la tête, c'est une création britannique. Ce n'est pas des plaisanteries, c'est la vérité. 08 92 23 95 20, vous avez la parole. Beaucoup d'autres dirigeants du monde aussi. C'est manipulé, c'est désigné par ce n'est pas Bolloré qui changeait de président en Afrique. Grande-Bretagne, il le fait depuis des siècles. Alors, puisqu'on a abordé question de folie, par certaines personnalités intéressantes, importantes, et pour que David Abbasi dise ça, pour rester dans l'histoire, pour que vous ne pensiez pas que moi je suis toujours, certains ils pensent que je suis défendeur de certains pouvoirs. Non, non. Vous voyez, certains gens, que même jusqu'à aujourd'hui peut-être, communauté nationale, internationale, ils respectent ces gens-là. Ils ne sont pas loin de ce que tout à l'heure Frédéric il a dit sur certaines personnes. Vous savez, puisqu'un ami il vient de m'appeler, merci beaucoup. De temps en temps, je suis ravi de voir, d'entendre que des grandes personnalités nous écoutent. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ils m'envoient des messages. Ça, je suis fier. Voilà, de voir et d'entendre ça. Merci. Alors, un ami qui est quelqu'un d'assez important, il vient de me dire, David, nous-mêmes, à l'époque, quand on était copains, et on était avec les ministres, avec les députés, avec les maires, en train de manger, en train de boire, adapte, on faisait ça, on mangeait, enfin, en 10, 20, 15 personnes ensemble, on racontait nos histoires secrètes. Question de pédophilie. Ce n'est pas de toucher les mineurs, de coucher avec les mineurs. C'était à l'époque leur histoire de fierté de raconter. Bah oui, certaines personnalités, oui. Et il était fier de raconter ça. C'est après, le monde a changé. Comme couper la tête. Imaginez-vous, maintenant, des grands criminels comme Daesh, comme Al-Qaïda, je ne sais pas qui, ils coupent les têtes. Ils ont coupé beaucoup de têtes. On n'a pas le courage de le montrer quand ils coupent les têtes. Mais mes chers amis, allez lisez l'histoire. Allez lisez l'histoire. Je viens de vous dire tout à l'heure combien de têtes des Français a été coupées par l'ennemi et surtout la Grande-Bretagne. Allez-y et regardez combien de généraux, des chevaliers, pas les soldats, hein. Oh les soldats, comme Jordan il dit infiniment, mais combien de chevaliers en a coupé les têtes. Alors, mais maintenant, même la peine de mort pour des criminels d'enfants, oh là là, c'est grave, il ne faut pas en parler. Pourquoi M. Badinter, il a proposé quelque chose, pas lui, c'était le Parti Socialiste, c'était même la volonté de François Mitterrand, c'était la volonté de Roland Dumas et plusieurs d'autres personnalités, puisque vous savez, Mitterrand, il était juriste, ses amis tous étaient des juristes, alors il défendait de temps en temps les gens qui étaient condamnés à mort, il défendait, il avait des clients, alors... Pour ça, il était sensible à ça. Alors, bon, ok. Mais oh, ici et maintenant, aujourd'hui, il ne connaît pas la même chose. On peut changer d'avis. C'est vrai que ça ne va pas changer énormément des choses. Mais si tu as peur de mourir, tu vas faire moins de bêtises que si tu penses que tu vas aller en prison, condamné à 20 ans au perpétuel, mais après 10 ans, 6 ans, tu es un bon garçon. Dans la prison, tu vas rester sage. Dans la prison, tu ne peux rien faire. Tu vas rester sage, gentil, et tu sors, tac. Récidiviste, combien il y en a. Vous connaissez docteur Alexis Carrel. Alexis Carrel, l'homme inconnu, j'ai lu son bouquin quand j'avais 12 ans. 12 ans. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? L'homme est diable. Il peut devenir le Dieu, avec un clin d'œil. Pas d'homme, hein? Pas d'homme, avec un clin d'œil. Mais il est Dieu. Il peut devenir diable, avec un clin d'œil. C'est pour ça, il faut que l'État, la justice, punition, soient forts, pour que l'individu ne se permet pas de faire ce qu'il ne doit pas le faire. Pour ceux des grandes personnalités, on a parlé, ouais, ces gens-là, malheureusement, ils sont passés même à l'époque 10 ans, maintenant on va dire c'est 20 ans, mais à l'époque 10 ans, mais même on était dans le temps de 10 ans de juger ces gens-là, qu'eux-mêmes ils avaient avoué. Parce que Jules Ferry, quand il a dit ça à quelque chose, il avait entendu dans la réunion que, voilà, mon ami, il avait entendu aussi qu'il vient de m'envoyer un email. Je remercie toujours les grandes personnalités qui nous écoutent. Il y a déjà 2 semaines, vous avez eu, comme j'ai eu comme invité M. Jacques Myard, j'ai oublié de vous dire, par exemple, sur certaines choses que avant-hier vous vous contestiez, Jacques Myard, il avait la même position que vous. Voilà. Et je me rappelle à l'époque de Pasqua. Charles Pasqua. Beaucoup de gens n'aiment pas Charles Pasqua, mais moi je l'aimais, voilà. Je vais vous dire ce soir, ici maintenant, puisque demain c'est la fête, je vais vous dire ce soir, moi j'aimais Charles Pasqua, puisque c'était un type différent. C'était différent avec les autres. C'était quelqu'un. C'était quelqu'un. Vous savez, une fois, notre station, c'était, le studio, c'était dans le tour de Seine, je crois, 19e étage. Je faisais mon émission, le dernier samedi du mois, de 23 h à 6 h du matin. À l'époque, je restais même 6 h du matin, regardez, je ne dormais pas pour vous. Vers 23 h, 23 h 30, quelqu'un nous appelle, et je le prends sur l'antenne, un islamiste. À l'époque, aussi l'islamiste existait. À l'époque, un islamiste. Il dit, David, je dis oui. Il me dit, à quelle heure tu sors le matin de la radio? J'ai dit, tu sais qu'elle le savait. 6 heures du matin. J'ai dit oui. Il a dit, je vais vider mon chargeur, mon pistolet, sur toi et ta tête. À 6 heures du matin. J'ai dit, pardon, tu es un peu con, puisque tu es sur l'antenne, tu ne le sais pas. Il a dit, je le sais très très bien, j'entends ma voix. J'ai pas peur. Il dit ça et il est parti. À l'époque, même la radio, il a donné une communication de presse comme quoi cette menace était là. Alors, à l'époque, on était 4, 5, 6 personnes quand on venait faire l'émission de soir. Technique une personne, téléphone deux personnes, une personne à côté de moi. Bah, on était nombreux. On descend, l'ascenseur. Et dès qu'on arrive au rez-de-chaussée, qu'on va sortir, tout d'un coup, je vois les policiers autour de nous. Monsieur, Abbasi, David, venez ici. On me prend, on me met dans la voiture. Je dis, punaise, qu'est-ce qu'on a fait là? Je dis, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Monsieur Abbasi, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Je dis, moi j'ai ma voiture. Ah, votre voiture. Donnez-le les clés. Je donne les clés. Et quelqu'un d'autre, un policier, il va monter dans ma voiture avec ma soeur et l'autre personne, il va le prendre. Voilà. À l'époque, je crois que Morgane... Peut-être elle avait 2 ans à l'époque, ou même peut-être... Non, 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 Morgane n'était pas là encore au monde, parce qu'à l'époque, je vais vous dire. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, monsieur, nous avons l'ordre direct de notre ministre, c'est-à-dire ministre de l'Intérieur, de vous accompagner jusqu'à chez vous. Je dis, pourquoi? Il a dit, parce que on vous a menacé. Je dis, ah bon, vous nous écoutez, vous nous avez écouté? Il a dit, non, non, pas nous. Notre ministre, il était dans sa voiture... Vers minuit, il était en train d'aller à la maison après un dîner, il écoutait votre radio, dans sa voiture. Et il disait au chauffeur, ouf, c'est David qui va parler ce soir. Et tout d'un coup, il entend que quelqu'un vous a menacé et il a donné l'ordre précis de venir vous chercher. Nous sommes là depuis 1 heure du matin. On vous surveille. La porte est fermée, mais nous, on est en bas, en haut. Maintenant, on va vous déposer chez vous. Ah bon? Charles Pasqua, c'était le ministre de l'Intérieur à l'époque. Et dans sa voiture, il va aller à la maison après un dîner et il est en train d'écouter Radio Ici et Maintenant. À l'époque, mes chers amis, si vous ne savez pas, je vais vous dire, il n'y avait pas l'Internet, ni YouTube, ni satellite, ni plusieurs chaînes de télévision. Il n'y avait que 4-5 chaînes. C'est tout. Et il y avait la radio Ici et Maintenant. Cette radio était écoutée par les ministres. M. Charles Pasqua. Charles Pasqua, je le connaissais, puisque même quand il n'était pas ministre, on parlait ensemble, vous savez, il était même mon invité sur l'antenne à l'époque, il n'était pas ministre. Après, quand Chirac est venu, il est devenu ministre, voilà. Il connaissait bien la radio, il me connaissait, et le soir, par hasard, peut-être, il va aller à la maison, il ouvre la radio, et tout d'un coup, il voit qu'on me menace, et le ministre de l'Intérieur, et ils m'ont envoyé des... bodyguard, et qu'ils ont laissé même quelques jours devant ma porte, les gendarmes et tout ça. C'était après, à l'époque, Jean-Louis Debré, que j'avais les protections rapprochées avec des voitures blindées, tout ça, c'était après 2, 3 ans, même peut-être 5 ans, 10 ans après ça. Mais à l'époque, c'était ça, voilà. Ça, c'était à l'époque que je crois que Charles Pasqua était ministre. Je crois que c'était à l'époque de cohabitation de Chirac... parce que c'est très ancien. Avant que Chirac devienne président. Chirac, à l'époque, je crois qu'il était Premier ministre. Enfin, voilà, c'est ça votre radio. Cette radio, c'est la richesse de la radio. Des histoires comme ça, quand il m'arrive, et je vous raconte, c'est l'histoire de cette radio. On était écoutés, comme ça. Et maintenant aussi, je sais qu'on est bien écoutés, hein. Ça, je le sais, mais le temps n'est pas comme avant. Oh là 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 là, maintenant n'importe qui, il peut faire un radio, une télévision à partir de son Facebook, YouTube, à partir de Instagram, à partir de ça ou ça, et des milliers de chaînes et tout ça. Ce n'est pas l'époque des années 80, 90. Et vous avez la parole. Vous avez oublié de décrocher et composer le numéro, puisqu'il reste encore quelques minutes. Si vous avez des choses, avec plaisir, je vous prends, en composant le 08 92 23 95 20. Voilà, merci. On me demande si je peux vous donner la référence de l'intervention à l'époque avec Roland Dumas. Vous savez, sur l'internet, vous tapez David Abbasi, Roland Dumas, vous pouvez l'écouter. Mais puisqu'il est encore un peu du temps, je vais vous diffuser quelques minutes. Les prochaines générations d'Israël qui va venir, ils ne voulaient pas la guerre. Aujourd'hui, Sharon, chaque foyer qu'il détruit, là-dedans, comme Yasser Arafat l'a dit, il fabrique 100 kamikazes. Ce n'est pas... on ne fait pas la politique avec les militaires. Tout à l'heure, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit seulement ici en France, Napoléon et Charles de Gaulle étaient des militaires qui ont pris le pouvoir. C'est vrai, regarde. C'est pour ça qu'il y a grâce à ça que la France est pays des droits de l'homme, pays de la liberté, tata. Mais de l'autre côté, si vous mettez Sharon, c'est un bon général, mais ce n'est pas un bon diplomate. Vous mettez des gens, des diplomates dans la tête des gouvernements. Voilà. Merci. 1947, à la suite de tout ce qu'on avait vécu, la guerre, quand... Voilà, c'est moi qui j'ai parlé à Pau sur la Troisième Guerre mondiale, mais c'est Roland Dumas qui parle. L'ONU avait décidé de ces deux états. Alors, pour des raisons qui ont été dites, on a créé l'État d'Israël et on n'a pas créé l'État palestinien. Il y a eu la responsabilité des Palestiniens incontestable. C'est vrai, à l'époque. Mais il n'y a pas eu non plus un grand élan qui a suivi cette décision. Je rappellerai pour ne pas dire une disparition possible des principaux interlocuteurs qui jusqu'à présent s'efforçaient d'essayer d'arranger les choses. N'est-ce pas? C'est pour ça que toujours, ils posent des problèmes. L'espionnage qu'ils ont fait pour les Américains, vous êtes au courant de tout ça. Alors c'est pour ça que le problème de Palestine, comme Roland Dumas l'a dit aujourd'hui, il faut que ça soit réglé sans entrer dans les jeux qui nous préparent. Ce sont des jeux. Parce qu'aujourd'hui, si vous tuez Ben Laden, comme il a dit, demain il aura 50 Ben Laden. Si vous tuez Yasser Arafat, demain les enfants, il y en a une expression perse. Il dit, si tu as un enfant, même Rabin, il a dit ça, on a dit, pourquoi tu vas serrer la main de Arafat? Il a dit, puisque chaque individu qu'on tue, qui est palestinien, nous fabriquons 100 kamikazes contre nous. C'est pour ça que je préfère de cette... Voilà, vous avez entendu même tout à l'heure M. Dumas, ça c'était à l'époque, vous voyez. Tout ça c'est accessible sur l'Internet, c'est l'histoire... des interventions de David Abbasi, enfin, voilà, vous tapez David Abbasi, Roland Dumas, vous pouvez l'écouter, il parle sur la question des Britanniques et leur politique et leur intervention directe ou indirecte dans le pays, même jusqu'à aujourd'hui, à ce jour-là, mes chers amis. Alors, c'est vrai, vous êtes aussi nombreux de nous dire que la musique, il est formidable, vraiment, cette musique, elle est formidable. C'est Morgane qui m'avait laissé dans l'appareil et j'ai appuyé sûrement sur le bouton et plus d'informations concernant la composition des musiciens, vous allez le demander demain de Morgane et il va trouver peut-être le CD ou il le connaît par cœur et il va vous répondre, chers amis. Voilà, si vous permettez, puisque demain c'est 1er mai, c'est fête de travail. Je suis un travailleur aussi, hein, je suis un travailleur, je vais vous quitter et aller me préparer demain, parce que demain je vais aller me promener avec mon garçon de 5 ans, avec ma femme, à la souvenir des bonnes manifestations des années 80 de 1er mai. Parce que moi je me rappelle des manifestations des années 80, il y avait plusieurs... centaines de milliers de personnes dans la rue, il y avait une autre ambiance, et cette ambiance était vraiment très bien à l'époque. Oh là là, George marchait d'un côté, qu'est-ce que CGT, c'était quoi? J'ai oublié son nom, Tchétchovski, voilà, de l'autre côté, et les socialistes, à l'époque de Mitterrand, vous avez manqué quelque chose si vous ne vivez pas. Parce qu'à l'époque de Mitterrand, cela, c'était d'autres choses. Vraiment, c'était d'autres choses. Espérons que cette vie numérique qui nous a tout pris, cette vie de pétrodollars, de dollars, maintenant, Tout le monde ne pense qu'à dollar, à l'argent. L'autre jour, à quelqu'un, il est venu m'acheter. Il est venu m'acheter pour me payer une télévision 24 sur 24 diffusée sur l'Internet. Non, par satellite, 24 sur 24. Et il m'a dit même, tu peux prendre 40-50 personnes, donc payer le salaire et tout ça. Et voilà, on ne va pas t'imposer de dire non, ce que nous on veut dire, mais ta. À la fin, quand il a fini, j'ai dit, je suis désolé, je ne suis pas à vendre. Il dit, ah bon, je ne suis pas à vendre, monsieur, je ne travaille pas pour l'argent quand il s'agit de penser. Et c'était trois personnes, ils vont partir, quitter mon bureau. Il a dit un mot, il savait que je comprenais leur langue. Mais quand même, ils ont dit en sortant, peut-être ils pensaient que je n'entends pas. Il a dit, ce gars-là, il est bien pour le musée. Hein. Et c'est un monument historique, il faut le mettre dans le musée. Il ne comprend rien de cette époque-là, époque de l'argent. Mais on est comme ça. On est comme ça, voilà. Je vais saluer mon ami Didier Duplessis, qui est aussi comme ça, Didier Duplessis aussi. Jamais il n'a pas travaillé pour l'argent, voilà. Je le salue, je l'embrasse Didier, et bonne fête de travail pour Didier, puisque Didier aussi c'est un président de cette radio, mais c'est un travailleur, il travaille. Imaginez-vous, comme nous et toutes et tous, je t'embrasse Didier, je vous embrasse mes amis toutes et tous, et je vous souhaite bonne fête de 1er mai. Et je vais remercier Gérard, je crois que je le remerciais, oui, je vais remercier de ce que tu m'avais envoyé. Merci Gérard, merci à toutes, merci à tous. Alors je vous dis à la prochaine, voilà. Je vous embrasse en plus, pour une fois, au moins. Pour une fois, puisque, voilà, elle n'écoute pas, elle dort maintenant, Morgane, ma fille, je vais vous remercier concernant tous vos compliments, tous vos gentillesses, tous vos messages que vous m'avez adressés. Concernant Morgane, je vous remercie. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse. Merci de votre soutien moral, bien sûr. Je vous dis à très bientôt. Bonne fête. Au revoir, mes chers amis. Goodbye. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, sur internet ici-et-maintenant.com et sur la RNT, le canal 9A. L'humeur du temps, tous les lundis dès 23h et Soleil de Perse, tous les derniers samedis de chaque mois, est présenté par David Abbasi, écrivain et historien. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23